Hello everyone, welcome to my channel. So I'm gonna show you how I make this beautiful chicken and pasta. Je vais vous montrer comment j'ai fait la recette, la régale pasta très delicious and healthy. I'm gonna show you how I make this delicious pasta. Okay, for that we're gonna marinate the chicken. J'ai déjà lavé, I already washed my chicken. That's garlic, ça c'est l'ail en sec. Chicken seasonement, l'assaisonnement du poulet. Je vais mettre 2 cuillères à café de ça, 2 spoons, teaspoon. I'm going to use teaspoon for that. And barbecue seasonement, teaspoon as well. 2 cuillères de ça aussi. Et rosemary, je vais utiliser rosemary. Ça, c'est rosemary. Et Nando's Peri Peri Lemon, je vais utiliser une cuillère de ça. I'm gonna use 1 spoon of Nando's Lemon Spicy. And Smoky Nando's Barbecue Seasonement, 1 spoon of that. That's it, that's fine. Une cuillère de ça aussi. La recette là c'est très délicieuse. La recette là c'est... And that's vegetable seasonment. I forgot to show you guys the, but I will leave them on the screen. We will see. And that's black pepper. J'ai oublié de vous montrer le vegetable seasonment que j'ai mis là, la photo de ça. Mais comme si tu me suis longtemps, j'utilise souvent vegetable seasonment là. Et voilà, je vais mariner tout ça. Je vais mélanger tout. I'm gonna mix everything together. And I'm gonna put my chicken here. That chicken breast. Je vais bien mélanger ça après. Et voilà. Je continue à faire la même chose jusqu'à ce que je vais finir. I'm gonna do the same thing until I'm done. Ok? Merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, Thank you so much all my subscribers, the new one, the old one. Thank you so much. You are the best. I'm nearly done now. That's the last one. So I'm going to leave this one at least for 3 hours. Okay? Je vais mariner ça et laisser se reposer au moins pendant 3 heures. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux faire au moins at least une heure. If like you don't have time, at least marinate at least 1 hour. But mine, I'm going to leave it for 3 hours. Ok, je vais laisser pour moi pendant 3 heures. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux faire ça en 1 heure. Ok, en 1 heure au moins, maximum. You can leave this one at least one hour. Ok, in the fridge. Voilà les ingrédients, that's pasta, that's macaroni, les oignons rouges, that's red onion, mixed pepper, green, yellow, and garlic, l'ail, oignon blanc. Ça c'est 2 oignons rouges et un oignon blanc. 1 oignon blanc, white, that's spinach, épinard, poireau, leeks, and green onion, and tomato cerise, and plum tomato. Ça, c'est les tomates cerises et les plum tomato. Basil. Ça, c'est basil. Tomato. C'est basil avec pasta. C'est très bon. Je vous ai tout montré. Les ingrédients sont là. Ça, c'est l'épinard fraîche congelée. Oignon. That's everything here. Red for garlic. Mixed pepper. Tomato. Pasta. So, now it's time to put my chicken in the oven. Maintenant, je peux mettre mon... poulet au four maintenant. Ça sert bien reposer pendant 3 heures de temps. Oh, les flies. Les mouches là. À l'été, c'est pas facile. Voilà, je le laisse comme ça se reposer pendant au moins. Je dis reposer. Qu'est-ce que je dis? Je vais bien les étaler et mettre ça au four pour 45 minutes. I'm gonna spray this one and put in the oven for at least 45 minutes. I'm gonna spray some
sunflower oil. Je vais sprayer un peu de l'huile de tournesol. Comme vous savez, j'ai pas assaisonné avec d'huile. Juste un tout peu. I mean, healthy option là. Je fais comme. Et voilà. Il est temps de faire. Je vais cuire d'abord ma pâte. Parce que les légumes là, ça ne doit pas prendre du temps. I'm gonna boil my pasta first. And that's it. And now I can fry my ingredients. Je vais mettre un peu d'huile d'olive ici. I'm gonna add a little bit of olive oil here. That's olive extra virgin. Extra virgin, I mean. I'm gonna start with my onion first. I'm gonna caramelize my onion. Je vais commencer avec mes oignons d'abord. Mais si tu trouves que l'oignon là c'est trop pour toi, tu peux diminuer un peu. If you see like you are no fan of onion, you are no big fan of onion, you can take some. Don't use but me I love onion. Si par exemple tu n'as pas tellement d'oignons, tu peux utiliser la moitié de ça. Mais moi j'adore les oignons. Ok? Donc je vais griller ça très bien jusqu'à savoir que c'est un peu soft là. Ok, un peu mou là. Ok. Ma pâte est en train de cuire de l'autre. Donc je vais mettre mon lait. Mes garlic. I'm gonna have my garlic now. Great garlic. Four cloves of garlic. Ça c'est 4 gousses de l'ail. Que j'ai râpé comme ça. Voilà, I'm gonna stir it. Je vais mélanger, je grille ça au moins pendant 2 minutes. I'm gonna keep fry this one at least for 2 to 3 minutes. Je continue à griller ça au moins pendant 2 à 3 minutes avant de mettre le reste de mes ingrédients. Et voilà, après les 3 minutes maintenant, je peux mettre mes mix pepper, mes poivrons, les mélanges de poivrons et tomates, cerises et plantes tomates. I love it. And that's green onion, ciboulette et poireaux, leeks. Je vais mettre ça aussi, that's leeks. Oh, the color is here, honestly. La couleur, ça c'est cube magie bouillon poulet. Je vais mettre ça, cube magie bouillon poulet. Et je mélange. The color is popping here, honestly. La couleur déjà est adorable. Et je mets du poivre aussi. I'm gonna add a little bit of garlic here. And leave it to cook for some time. Je vais laisser cuire pendant quelques temps. And je vais mettre un tout peu d'eau. I'm gonna add a little bit of water and stir it. Yum yum yum. It's so amazing. So now I can add my basil. Je peux mettre mes basil. Basil avec la pâte, c'est très bon. L'odeur, oh, so beautiful. C'est très, l'arôme est trop bien avec la pâte. Pasta of basil, oh my goodness. They love each other, honestly. It's nearly done now. C'est presque fini comme ça. Donc, je vais m'occuper. Je vais mettre le reste de mes épinards maintenant. I'm gonna add my spinach because it's nearly done. Don't take time to cook this one. You're busy now. Do this one quickly. I'm gonna add a little bit of salt because I test it. Because I didn't cook my pasta with salt. J'ai pas cuit mes pâtes avec du sel. Donc, c'est pour ça que je rajoute un peu de sel. Voilà, c'est presque fini comme ça. Et je vais mettre seulement mes basil et j'éteins ma cuisinière maintenant. Parce que pour ça, c'est fini maintenant. C'est la pâte qui reste. Je vais aller voir la pâte aussi. I'm gonna go and check my pasta. This one is nearly done. So quick, simple and quick recipe. Honestly, and it's so delicious. Honestly, c'est très délicieux. Ah, essayez ça. Honestly, essayez. Donc ma pâte est déjà prête, donc je vais tout renverser là-bas directement. Voilà, je mets un peu de beurre. I'm gonna add a little butter. Butter of pasta too is so delicious. Le beurre avec la pâte, c'est très délicieux aussi. Même si tu cuis, il faut mettre un peu de beurre. Et aussi, they love each other. Ils adorent. Les deux là aussi s'adorent. Pâte et mayo. Beurre. Voilà.
Je goûtais là. It was so delicious, honestly. And this nearly is done now. I'm gonna just mix it. Cook for 1 minute. C'est fini. Je cuis seulement pour 1 minute et c'est bon. 1 minute. Et voilà mon poulet aussi. Oh my goodness. Oh my goodness. Look at everything is ready now. There's nothing to do here. Just to dig. Test it. Il n'y a rien à faire ici maintenant. C'est juste à déguster la couleur. Oh, j'adore la couleur. C'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine. À très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Thumbs up for me. Like it and comment below. Ok? Bye for now. Oh, 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 oh